Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les accords piano qui sonnent. Alors, on va voir un plan aujourd'hui, donc qui sonne moderne, qui sonne musique de film, qui dégage beaucoup d'émotions. Et vous allez voir que c'est très simple à réaliser et c'est vraiment efficace. Alors, je vais vous le jouer et je vais vous l'expliquer et je vais vous expliquer quels sont les accords donc qui sont finalement utilisés dans ce plan-ci. Donc, je vous joue le plan. Alors vous avez vu comme ça sonne, c'est vraiment magnifique, hein. Donc les accords utilisés pour ce plan sont Do majeur, Ré mineur, Do basse demi, Fa majeur, La mineur, Sol, Fa, Do basse demi. À nouveau La mineur, Sol, Fa et Do. Et donc j'ai utilisé des notes passe-partout, hein. Donc si vous n'êtes pas habitué avec l'utilisation des notes passe-partout, je vous invite à regarder la première vidéo de cette série, les accords piano qui sonnent la main en or. Vous allez voir donc une technique vraiment super efficace pour arranger donc une suite d'accords pauvres en quelque chose de moderne. Donc vous avez vu, j'ai en fait simplement à la main gauche joué des octaves comme ceci pour chaque accord donc de ma grille. Donc pour Do majeur j'ai utilisé les octaves de Do, pour Ré mineur des octaves de Ré, pour Do basse de Mi j'ai utilisé les octaves de Mi, pour Fa majeur j'ai utilisé les octaves de Fa, La mineur j'ai fait La La, pour Sol, Sol Sol, pour Fa majeur Fa Fa, Do basse de Mi, voilà, enfin tous mes accords, donc j'ai simplement joué comme ça, donc soit les fondamentales ou bien sûr hein, pour le Do basse de Mi j'ai joué les Mi, hein. Donc c'est renversé sur la tierce, donc c'est Mi étant la tierce de Do majeur. Et à la main droite, j'ai simplement joué ce motif. Donc, même chose sur le second accord. Sauf que j'ai utilisé aussi le Ré. Donc, j'ai fait Do, Sol, Do, Do, Sol, Do, Do, Sol. Et ensuite, j'ai fait Do, Sol, Do, Do, Sol, Do, Ré, Sol. OK? Ensuite, je reprends. Cette fois-ci avec Mi. Ici, je déplace simplement. Eh bien, mes notes à la main gauche sur Mi. Do, Sol, Do, Do, Sol, Do, Do, Sol, Fa. Do, Sol, Do, Do, Sol, Do, Ré, Sol. Ok. Je reprends. Je pourrais très bien m'arrêter aussi sur Fa. Pour faire un petit peu comme une pause, un petit point. Et puis on reprend. Ça permet de respirer un peu. Ça casse un petit peu le côté routinier donc de ce motif qui tourne en boucle. Et je reprends. Pareil sur le Do basse de Mi. Je me suis arrêté ici sur le Do, hein. Je reprends sur la mineure maintenant. Et je conclue sur Do. Donc à la main droite, hein, Do, Sol, Do, Do, Sol, Do, Do, Sol. Et ça reprend après. Do, Sol, Do, Do, Sol, Do, Ré, Sol. Ok? Donc. Là, je m'arrête sur Fa. M'arrête également sur le Do basse de Mi, donc avec le Do ici. Je reprends la mineure, Sol. Voilà. Donc simplement avec 2-3 notes à la main droite qui se battent en duel, et simplement en changeant comme ça en octave mes accords, juste en jouant les fondamentales, ou là ici la tierce, eh bien j'ai quelque chose de vraiment efficace. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Cela vous permettra de ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous invite aussi à cliquer sur l'image qui apparaît maintenant sur l'écran. Vous aurez ainsi accès à une formation totalement offerte et vous découvrirez dans cette formation des plans et des accords insolites pour faire vibrer votre auditoire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.